Nasılsın Türkiye? Abi bak. Gel. Şurada oturalım, gel. Hadi çabuk. Hadi. Meeting güzel oldu mu abi? Oldu mu? Güzel oldu. Les slow riders ont l'air au complet. Oui, tout a l'air tranquille. Oui, c'est ça. Terminé. Descendez-moi toutes ces voitures du trottoir. Et baissez un peu cette musique. C'est pas un son de foire ici. Vous parliez? Baissez le son. Je voudrais savoir où vous étiez cette nuit à 11h30. C'est pas difficile, j'ai rien fait de spécial. Vous n'avez pas à me dresser un procès-verbal pour ça, non? J'attends une réponse. L'explosion du foyer turc, c'est pas nous. Non. C'est pas notre genre de faire sauter les gens. En tout cas, vous n'étiez pas ici hier soir. Et dites-moi d'où tirez-vous ces renseignements, hein, monsieur le lieutenant de police? Nous sommes au courant de tout. On était chez le père de Diego. C'est le patron du Rialto. Vous n'avez qu'à lui demander. Eh, hey, lieutenant, vous connaissez pas le Rialto? On y fait les meilleures glaces de la région. Et si c'était un engin à retardement? Un retardement? Tic, tac, tic, tac, et boum! Ah, soyez pas étonnés, c'est comme ça que ça marche, un détonateur, non? On en reparlera une autre fois. On y va? Et l'eau dans le cul! Et je vous prierai de débarrasser le trottoir de toutes ces boîtes avant que je revienne. Compris, les gars? Mais que dit c'est? Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis espagnol. Je suis pas doué pour les langues étrangères. Je comprends pas toujours très bien. Continue ainsi, t'arriveras des ennuis. Ah, monsieur le lieutenant, j'ai mon compte, ma rôle, hein? Pas de boulot, pas de filles et pas d'argent. Ramasse les boîtes, j'ai dit. Ciao! T'as vu ces canards? Ciao! Bah, petite Dani. Salut. Salut, Dani. J'ai cru que tu t'étais tiré la gisquette. Qu'est-ce que tu racontes? Salut, Dani. Salut. T'es là, toi? Au fait, ils t'ont laissé partir plus tôt? Non, je suis malade. Vraiment, j'en ai pas l'air. Hein? J'aimerais savoir qui a fait le coup. T'as une idée? Moi, je pencherais pour un des Turcs du foyer. Et à une nouvelle bande, des néo-nazis, là. Ils sont spécialistes. Ils te doigt dans l'œil, ils ont rien à voir avec une bande, c'est autre chose. Ouais. Comment rien à voir avec une bande? Ils ont des blousons, eux aussi, ils portent des insignes SS et ils ont des armes. Et ils sont contre tous les étrangers. T'es sûr de ce que tu dis? Ouais, sûr. Et tu sais où ils se trouvent? Oh, généralement, ces mecs-là se tiennent derrière la gare. Et qu'est-ce que vous diriez d'aller leur rendre visite? On leur montrera ici qu'ils commandent. On pourrait les secouer juste un peu, quoi. Regarde, ils en crèvent d'envie. Ouais, mais ces mecs-là sont armés. Ils ont quoi, des panzers, sans doute? Dis béton, je crois bien que tu lis trop le journal. Un jour, tu finiras par croire tout ce qu'il raconte. Est-ce que tu voudrais mon poing sur la gueule? Te fâche pas, je plaisantais, c'est tout. Ouais, vous croyez pas, franchement, vaudrait mieux se remuer le cul, les mecs, parce que ces connards finiront un jour par oublier qui on est. Les revengers, les vengeurs, quoi. J'en ai marre de vous entendre jacter comme des gonzesses. Allez, on met les bouts. On vous rejoint.
Où est-ce que t'as eu ça? Je l'ai piqué dans un grand magasin. C'est chouette, hein? Ouais. Verre. Prête? T'as l'air dégoûté, je trouve ça super. Ouais. Tu me montres? Attends. C'est vraiment trop cher pour une merde pareille. Eh, hey, t'es gelé ou quoi? Le vieux était champion de boxe, s'il sait que c'est toi, il va t'en cloquer une, je te dis pas. Eh bien, qui s'amène, hein? On verra bien qui aura le dessus. Eh. Non, mais il se touche, celui-là, il se baladait à la coude sur le terrain des River Rangers. Non, ben, va donc le voir, là, qu'est-ce qu'il veut? Ben, allez, qui c'est ce mec-là, là? Tu le connais? Jamais vu. Essaye de savoir un peu où il crèche, tenouille. Je te laisse mon père et la grenouille. Sportif, bonjour. Vraiment, t'as rien à nous dire là? Tu sais qu'on court pas le steeple chase comme ça sur notre terrain avec des blousons qui sont pas à nous. Eh, faut te mettre au jus, hein. Ah, jamais ton cause, petit. Tu vas avaler la langue? Bloody Eagles. Tu débloques, mon pote, c'est pour votre cause. Une minute, Bloody Eagles. Je les connais. C'est un gros clan, tous des Turcs. Ah non, c'est pas si important que ça. C'est une de leurs petites brebis qui s'est égarée. Juste un moutard. Je suis pas un moutard. Oh la salope! Hé, hey, arrêtez-les! Duke! Laisse-le, merde! T'as vu ce qu'il m'a fait? Ton blouson, refile-le! Alors, ça vient? Tu m'entends, oui ou merde? Au fait, t'as bien un chef, alors tu vas lui causer des Revengers. Tu piges, morveux? Ouais. Allez, lève-toi. Allez, casse-toi maintenant. Barre-toi avant que je change d'avis, ok? Tu ferais mieux d'y aller. Ça suffit maintenant. Un jour, il sort. Quoi donc? Eh, fais voir. Carly Cartel, Bloody Eagles, regarde-moi ça. Eh mec, c'est le Kazakhstan ici ou quoi? Personne ne sait d'où il vient, ce petit connard de Turc. C'est vrai, quoi qu'il est. Il se ramène comme ça chez nous. Il n'a pas le droit, quoi. Non, tu devais arriver à 5 heures et tu arrives à 6 heures. Tu as une heure de retard. La prochaine fois, je vais te foutre à la porte, tu m'entends? Garçon, l'addition? Bon, non. Un café et un coca, ça fait 7,85 marques, signor. Merci. Regarde, des petits bourgeois. Alors, on se balade? Vous allez nous foutre la paix, ouais. C'est à moi que tu causes, tu me cherches ou quoi? Allez, viens, Peter. Tu me fais pas peur, hein? Oh, mais écrase-toi. Ah, ils sont fous, laisse, allez, viens, on s'en va. Ferme-la. Il y a quelque malade. Chose qui te gêne? Ah ouais! Ah, ces fils, ça démange. Hein. Attends. C'est mieux, non? Allez, viens, Peter. Oh, ça suffit. Allez, retourne chez ta mère. Allez, viens.
Salut, Diego. Salut, vieux pote. Ouais, on t'a débarrassé de ces connards, hein. Sale race, ça se multiplie comme des lapins. Hé, hey, Diego, c'est toi le garçon. Alors, apporte-toi à boire, tu veux. Moi bien. Alors, messieurs, dames, qu'est-ce que c'est cela? Et deux bières pour pisser de rue. Et pour vous, monsieur, champagne pour la jolie madame. Hé, hey, quelle jolie dame. Ah, bon Dieu. On dirait que Duc a le ticket. Non, mais alors comme ça, je suis pas jolie. Eh, hey, tu crois qu'il s'est déjà sauté, hein? Il y a quelque chose qui va pas, les mecs, là. Je vous dérange, peut-être. Ah, tu sais bien que pour moi, tu es la plus jolie. Eh, on a bien failli avoir une belle castagne, hein. Est-ce une petite idée, t'es pas mort de trouille. Je préfère demander un chi. Ah, tous ces bourgeois, ils me défrisent. Moi, rien que de les voir, j'aurais une tirée. Tu frimes, Duke. Tu penses en rester là? Mais réfléchis un peu, merde. Non, mais tu déconnes ou quoi? Il m'en a collé une aussi, ce connard. T'espères bien que le tic-tac se fera entendre une seconde fois, n'est-ce pas? Et que d'autres régleront ça à ta place, hein? C'est vrai, non? Tu te souviens même pas de ce que t'es. Un vengeur. Un vengeur? J'attends que ça, la vengeance. Boum! Faut leur faire péter le caisson. C'est la seule solution. Tu vois pas ce qui se passe, non? Ils nous marchent carrément sur la gueule. Şunlara bakın, hiçbir şey olmamış gibi oturuyorlar. Şimdi günlerini görür onlar. Eh, hey, regardez qui vient nous voir. Eh, ils ont des blousons, ces mecs. Eh, hey, dites les mecs, vous savez d'où viennent toutes ces punaises, hein? Alors, ce champagne, Diego. Mais ils vont rentrer, elle est mal blanchie, et dehors. Pas d'étrangers ici, compris? C'est vous qui êtes avec mon frère? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les blousons. T'as froid, vieux? Le blouson, rendez-le. Les Bloody Eagles, c'est vous, dites? Alors, ce blouson, il vient? Non, regardez. Il joue les durs. Mais t'aigues. Ça s'ouvre. Séparez-vous tous les deux. Je ne vais pas de ça ici, compris? Hé, hey, Salvador, qu'est-ce qui se passe là en face? Ils viennent d'ouvrir une boulangerie turque. Hey, ce type, je le connais, c'est le chef des Eagles. Je suis étonné d'ailleurs qu'il en soit resté là. Il a une sacrée réputation. C'est un des fils du boulanger, ils sont trois. Toute la famille a eu le domicile à la boulangerie. Ils ont failli se faire expulser, alors ils sont venus s'installer là. Les vieux n'ont pas de travail, les jeunes traînent dans la rue. Ah, maintenant, on les a saoulés. Ah, moi, je crois qu'on n'aurait pas dû malmener le petit. Hein. Ça y est, béton à ses vapeurs. Ouais, ça va, toi. Tu sais pas de quoi ils sont capables? Non, oh, arrête de jouer les gonzesses. Hein. À quoi tu rêves? You are a pain, you're going insane. You mean nothing to me, can't you see, can't you see? I don't want you no more. Allez, change-toi si tu veux nous accompagner à la fête.
Daniela, tu nous avais promis de venir. J'ai pas de mec. Ton père compte sur ta présence, ma chérie. Gertie est venue exprès de Holsaï. Je leur avais dit que tu viendrais, ils se sont dérangés pour te voir. Essaie de comprendre, maman, j'en ai pas envie. Elle chante bien. Ça te plairait pas, de toute façon. J'ai fait à manger. Si tu as faim, tu n'auras qu'à le réchauffer. Bon, je te souhaite une bonne soirée. Eh ben, dis donc, t'as une drôle de gueule comme ça. Viens avec nous, moi, cette fois, on montera à cheval. Et puis après, il y aura un pique-nique au club autour d'un feu de camp. J'aime pas ça. Je sais. Mais fais un effort. Je t'en prie, laisse-la. Tâche d'être sage. Mais t'es devenu punk ou quoi? On rentrera tard ce soir. Bon, ben, bonsoir. Le magasin est fermé à cette heure-ci. Si t'en veux une autre, t'as qu'à attendre demain. Hé, hey, tu Marcoli, déballe un peu. Moi, je m'appelle Carl. Bon, allez, déballe, Carl. Allez-en un peu pour les copains, hein. Mais se défends, ton zèle. Arrête, c'est dommage. Oh, t'as pas de cochonnerie dans ma caisse. Hé, hey, tu vas acheter des cassettes alors? T'es vraiment trop con pour aller les piquer, hein. J'aurais pas cru ça de toi, mais l'autre, oui, à eux. On n'a pas de climat, vous n'auriez pas de matière. Ah non, les mecs, à moi. Eh, c'est moi qui aurais besoin de carburant. Eh, va te faire foutre, salaud. Eh, tu m'en laisses un peu, Dani, j'ai soif aussi, hein. Hé, les flics. Manquez-vous. Eh, bordel, c'est grave, eh, occupez tes flics, là. Tu pas rentre, non. La merde. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, j'en sais rien encore. Alors, c'est toi le chef, non? Ouais, c'est sûr qu'il y aura du foin avec les Turcs, mais ferme ta gueule devant les autres. Mm. Au fait, comment que tu t'appelles? Petra. Ouais, c'est pas terrible, mais on fera avec. Viens, on va faire un tour tous les deux, hein? Bunlar da öyle mi? Tamam, bunlar bizim. Bunları aldık. Attends-moi là.
Alors, mon vieux, elle arrive, cette boule. Ouais, y a pas le feu. Vélo, j'ai besoin des clés de la bagnole, juste une demi-heure. La dernière fois, Mex me l'a rendu dans un état dégueulasse. Mais moi, je ferai gaffe, elle est prête. Hé, hey, les gars, si je suis prête ma caisse, qu'est-ce que ça va me rapporter? Hé, hey, qui la veut? Oh, Dieu, tiens. Une pyramide, ouais! Ouais! Ah, une pyramide, je m'en charge! Ouais, super! Attends, on peut dire que tu sais causer. Un sacré bout de temps qu'on crève de soif. Et on a le droit à 12 canettes, boy! Hein. Super! Par ici! Et vous, t'as vu le truc? Bien les clés, ouais. Bon, à plus tard! Mais attention au siège de la bagnole! Et on voit, t'as réussi, Dieu! Santé, Dieu! Et profites-en! Et c'est une fumée! Bonne chance! Ah, n'exagère pas! Enfin, qu'est-ce que t'as? T'aurais pu me demander si je voulais avant. Alors, fais pas d'histoire. On voulait pas. J'ai dit que la dernière fois, Mech lui avait salopé sa bagnole. Qu'est-ce que vous aviez foutu? Gueule. Arrête de rire. Arrête maintenant. Connasse. Qu'est-ce qu'il y a? Alors on y va, oui ou merde? T'as 5 minutes, t'es pressé, tu veux partir le cul à l'air? On peut y aller, ouais. Avaler ta langue. Et va moins vite, c'est pas une raison pour nous balancer dans les décors, non? Hey, Yarchen! Allez les mecs, dehors! Ah, allez, on y arrive, ils viennent de rentrer là, allez. Ah bah dis donc, t'as été vite, mon vieux! On appelle un rapide, toi. Ah, la ferme, allez, on se casse. Ouais, mais y en a marre de ces conneries. Salut, les potes. Eh, quoi, tu viens pas avec nous? Ah, faut que j'amène la fille. Oh, elle a qu'à venir avec nous. Eh, maniez-vous, les mecs. Ah, bah, moi, j'en prends le volant. Oh, il lui tient, sa caisse, celui-là. Bon, allez, on te laisse, hein. Eh, pas de conneries, hein. T'en fais pas, Pépé, je suis majeur et vacciné. Allez, ciao, les mecs. Salut. Mais qu'est-ce que t'as branlé avec mon autoradio? Oh, mais écoute-moi ça. Tu me l'as bousillé. Tu vas me le réparer proprement. Ah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il marche, oui ou merde? Oh, parole, tu t'es appuyé dessus, on dirait. Ouais. Ouais, quand on aura les cassettes neuves, ça m'étonnerait que ça rende. Ouais, surtout si le hard rock, il est du genre Spino. Bon, alors, maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? Je t'ai déjà tout dit.
Et pas de blague surtout. Ça, ça veut dire que tout est ok et que personne viendra nous emmerder. Si tu vois quelque chose, t'allumes une cibiche, ok? T'as des clopes sur toi? Tiens, voilà. T'as bien tout pigé. Si quelqu'un arrive, t'en allumes une, ok? Ok. Bon, d'accord. Allez. Mais qu'est-ce que vous foutez? Regarde-moi ça, cette gamine faire le trottoir à son âge. Et celle-là, là. Est-ce que vos parents savent que vous êtes de cette petite pute? Charles, je t'en prie, voyons. Non, mais t'as vu ça? Oui, entre autres. C'est plus que c'était dans le temps, on n'aurait jamais permis ça. Fais là, toi. Allez, je t'en prie, décampe. T'as compris, fous le camp. Pourquoi toi la trouille? Les flics! Merde, quelqu'un! Vas-y, fonce! On ne sait jamais! D'accord! Elle a tourné à droite, bordel de merde! Vas-y, raconte ta petite histoire, ma belle. J'ai pas grand-chose à dire, je me baladais. Bon, et qu'est-ce que tes amis faisaient à l'électro-Gerber? Quels amis s'agit-il? Sois raisonnable, veux-tu? Évite de me mettre en colère, c'est un conseil que je te donne. J'ai rien du tout, ils étaient là par hasard, sans doute. Ah ouais. Le hasard fait bien les choses, et tu ne les as pas vus au cours de ta balade? Et ils auraient certainement pas tenté de cambrioler l'électro-Gerber. J'en sais rien, j'en ai aucune idée. Ouais, ok. Bon, moi, je vais rédiger un procès-verbal, alors. Alors, nom et prénom. Pourquoi faire? Moi, j'ai rien fait de mal. Oui, alors, bon, ton nom. Daniela Engelhardt, ça prend un D et un T. Se pourrait-il que tu sois la Dani de la famille Engelhardt, Fritz, qui habite dans la Pariser Straße?
Voudrais-tu me dire ton âge? 18 ans. Je les aurai au mois de novembre. Ah, c'est ce que je pensais. Pas encore 18 ans. Alors nous allons téléphoner à ton père. Pourquoi? À quoi ça servirait? J'ai strictement rien fait, alors pourquoi pas me laisser partir? Puis n'importe comment, il est rarement à la maison. Ouais, je sais. Bonsoir, Jacques. Salut, Fritz. Comment ça va, vieux? Oh, pas mal, pas mal. Le barbecue était sans ça. Cédie avait apporté de la viande de première qui fondait dans la bouche. Ah, hein? Oh, c'était très réussi. On est descendu le long de l'Isard, et puis on a fait un bon feu de camp, une veillée. Tous les copains étaient là. Dommage que tu n'aies pas pu venir. Oh, je t'en prie. J'étais de service, quoi. Je sais. Je dois dire que j'ai attrapé un très joli papillon de nuit, Fritz. C'est un joli coup de filet. Ouais. Tentative de cambriolage. C'est pas vrai, papa, je te jure, c'est pas vrai. Fritz, remets ça demain, tu veux. T'as raison, merci. Bonsoir, Fritz. Ouais. Hello. Il répond pas, Anne-Marie. Et si on faisait une petite balade, nous hein tranquille. Ensemble. N'en faites pas, on est juste arrêté. Un petit tour. En tout cas, moi, il commence à m'énerver. Je croyais que les petites tours étaient plus faciles, hein. Sois pas méchante, je veux juste marcher un petit peu avec vous. Il croit tout permis, celui-là. Il a un drôle de culot. Vous voulez pas qu'on fasse connaissance, hein? Tu peux pas nous ficher la tête, t'es du genre assistant. Hé, hey, tu bagues dans la rue, maintenant. Laisse donc ma frangine tranquille, toi, hein. Va chez les Grecs, ils ont le bouc carré. Voilà galère, voilà Danny qui se ramène. Oh la guapa! Assieds-toi là.
T'as pas l'air d'aller très fort aujourd'hui. Dis-moi donc ce qui te tracasse. Les flics, cette nuit, ils m'ont emmené au poste. Hi, folks. Tu leur as dit quoi? T'as parlé? T'as mangé le morceau? Réponds. Non. Je leur ai rien dit. Brave petit soldat. Rien vu, rien entendu, rien de ce que tu savais. Diego, donne-nous un cognac. Ah, laisse-moi! L'avertissement ne leur a pas suffi. Alors il faut continuer. On dirait qu'ils en sont arrivés où tu voulais, non? Vous êtes vraiment des Bloody Eagles? Et vous vous laissez marcher sur les pieds? T'as saisi ce que je voulais dire maintenant? Quand je dis que j'aimerais être traité comme un homme et pas comme le dernier des cons. Tu vois cela, si on veut qu'ils nous respectent, faut leur montrer qui nous sommes. Hé! Hey, on est une bande, nous aussi. Les War Engine. On a des blousons, mais on est seulement 5. On sait se défendre dans une bagarre. Ah, c'est clair. Alors je compte sur vous tous. À partir de maintenant, tenez-vous prêts. Toi, tu gardes l'œil sur Charlie. J'ai besoin de tous les mecs disponibles. Toi, Bello, tu te charges de Fred et Harry. Tu les mettras au courant. Ouais, pas de problème. Je veux que tous les mecs de la bande soient à nos côtés. Nous, on leur fera voir à cette bande de métèques qui sont les Revengers. Au fait, où est Carl? Ah, peut-être qu'il est encore en train de s'occuper avec la nana qui s'est tapée hier soir. Et ton copain dénommé Lupo? Ah, je l'ai pourvu, ça fait un bon bout de temps. On te laisse tomber pas mal ces derniers temps, on dirait. Moi, ça ne m'étonne pas. Je fais tout pour. Ta meuf a l'air de te lâcher, vieux. Laisse-moi, j'ai envie d'aller aux toilettes. Fiche le camp, les mecs, c'est à côté. Ah. Hé, hey, t'es barjot ou quoi? Parole, c'est sacré! Ah. Répète ça encore une fois, salope! Dehors, je ne veux plus les voir ici. Tu m'attends? J'en ai marre des bons hommes, j'en ai ma claque, Angie. Danny, attends.
Eh ben, c'était toi. Tu m'as fichu une de ces trouilles. Je l'ai pas fait exprès. Je l'espère bien. Est-ce que ça va? Je suis OK. Mais ces connards, ils m'ont mis une de ces raclées. J'ai failli crever. Laisse-les où ils sont. Ce sont de sales types. Que fais-tu par ici aussi tard? Toi, dis-moi. Rien. Moi non plus. Viens, par où? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je vais pas me cacher devant ces mecs-là. Ils me font pas peur, tu sais. Oui, je le sais. Ils peuvent bien repasser la prochaine fois. Je serai prêt. Hé, hey, mais t'es fou de te balader avec ça. Oh, je t'en prie, ne joue pas avec. Allez, range-le. Mais range-le, enfin. Allez, prends-le. Sen dışarı çıkalım, ben öyle. Oldu mu? Tamam. Tu sais pas t'en servir. Ah? Essaye encore un coup. Allez. Mon blouson, t'aurais pu faire attention. Tu voulais me tuer. Mais c'est moi qui t'aurais. Et maintenant, je peux faire de toi absolument tout ce que je veux. Tu veux faire quoi? As-tu déjà eu une petite amie, toi? Ne mens pas. J'ai l'impression d'être à la mer. Le sable. Les vagues. Dis-moi, il y avait la mer là d'où tu viens? Non, j'habitais à Denizli. C'est à plus de 200 km à vol d'oiseau de la mer. Mais c'est une très jolie région. Comment dire, tout y est si vert, si chaud. Les gens de là-bas sont totalement différents. Disons plus sincères, amicaux. Beaucoup plus serviables. Ils se soutiennent entre eux, tu sais. Pas comme ici, en tout cas. Pourquoi t'as choisi de venir ici? J'ai pas choisi, à l'époque j'étais trop gosse. Mon père sans doute ne trouvait pas de travail là-bas en Turquie. Mais alors on est venu ici. Et toi? Que voudrais-tu? Moi? J'en sais rien. Je veux dire, de quoi tu rêves? Mes rêves. Mes rêves. De l'argent. Une Mercedes. Une Mercedes? Ouais, une Mercedes. Qu'est-ce qu'il y a de drôle à ça? Et puis aussi un appartement ou une jolie maison où je pourrais loger avec toute la famille. Mes frères, mes sœurs et tout le reste. Oh, la famille. C'est pas mon truc, moi, la famille. Je veux partir. Je vais partir. Où t'iras? Il y a bien un endroit quelque part, qui sait. Un endroit où tu te dis... Oui, c'est là. Au fond, pourquoi est-ce que je t'emmerde avec tout ça? Tu ne m'emmerdes pas. Tiens. Garde-le, je te l'ai donné. C'est vrai? Puisque je te le dis. Comment ça se ferme? Fais-moi voir. Fais voir. Regarde, tu presses dessus et voilà. Hein? Tu risques plus rien. Merci. De rien. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux sentir le sable avec mes pieds.
Oh, c'est dingue. Mais viens, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que t'attends, avance? Manyaklara bak, kız kardeşime sataştılar. C'est votre dernière partie, les gars. Non. Maintenant, c'est à notre tour de jouer. Lève toujours. Il est gonflé, lui. Tu déconnes, mon vieux. Eddie, tu connais pas les règles? Quand la boule noire est tombée dans le trou, la partie, elle est finie. Qu'est-ce que tu cherches? Allez, crasse-toi, compris? Allez, viens. Laisse tomber ces deux connards. On va aller se taper une bière, d'accord? Je t'attends, tu joues, oui, ou merde? À toi. Non, mais qu'est-ce qui te prend, toi? Seulement récupérer le blouson de mon frère. Alors d'abord, il faudra qu'il vienne le chercher. Parce que moi, je voudrais bien aussi garder le blouson. Demain soir, à 11h, à la Spielplatz. Ok. Te voir tripoter sans arrêt, c'est Nibar. Elle va jouer ailleurs, laisse-nous tu nous agaces. Nous la paix. Tu cherches à nous faire remarquer ou quoi? Ah, laisse-nous un peu tranquille, c'est pas ma faute si depuis le temps t'as pas trouvé à tirer une gonzesse. Qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Ça a rien à voir. Comment? Allez ça faire n'a vos rien cochonneries à voir. Ailleurs. Thank you.
Vous avez du feu? Merci. Regarde ce que j'ai là. C'est pas mal, ça, hein? Rien à acheter. Regarde un peu. Tic-tac, tic-tac, boum! Dis-moi, comment tu vois la chose? Hola! Ah, salut, Diego. J'ai apporté de quoi leur fouetter le sang. Oh, c'était fou! Pourquoi vous baladez avec ces trucs-là? Alors, t'es vraiment pas au courant, Diego? Aujourd'hui, les canaqueurs, ils vont danser. Écoute-moi, j'ai pas réussi à tous les voir, mais dans l'ensemble, on sera une trentaine de mecs. Qu'est-ce que tu veux? Ah, voyons si on est d'accord. Tu m'as pas vu aujourd'hui et on n'a rien décidé. Vous désirez? Et deux cachettes. Abricot et Cassis. Son père n'est pas là? Non, aujourd'hui, il m'a laissé tout seul. Voilà, señorita. Si. Tu vas être trompé. C'est ta voiture? Non. Moi, je n'ai pas de radio cassette dans la mienne. La porte était ouverte. Toutes ces cassettes, à qui elles sont? Ben, moi. Es sûr? Certain. La musique te plaît? Oui. Oh, je suis trempée jusqu'aux os. Ça te rend encore plus jolie.
vrai ce qu'il raconte, mec? Nous devons nous battre? Nous battre avec les Turcs? À quoi ça rime tout ce cirque, hein? Suffit de leur dire d'aller se faire cuire un œuf ailleurs. C'est pas nécessaire d'aller les secouer. Aucun de nous ne veut s'emmerder avec ces types-là. Je commande. Et vous, vous exécutez sans poser de questions. Oh, si tu le prends comme ça, va te faire foutre. Allez, on se barre, les mecs, on se barre. Allez, mecs, on se remballe. Allez, salut, ouais, sans rancune, je vous ramène. Mais bande de cons. Enfin, on dirait que maintenant tu veux jouer à la guerre. Ouais, tu poids de tes fesses, hein. Hey, tu parles d'une bande de cons, ceux-là. Je croyais qu'ils étaient d'accord, moi, je pouvais pas prévoir ça, tu sais. Ouais, bon, en tout cas, fais gaffe à ce que les nôtres se tiennent prêts. Hello. Ah, je suis content que tu sois des nôtres ce soir. Bien sûr, c'est normal. Dis, pourquoi tu t'en vas? Excuse-moi, il faut que je m'en aille, tu sais. Je peux pas rester avec toi. Bon, bah va-t'en. Arrête de me suivre. Je fais rien de mal. Je t'ai déjà dit de ne pas me suivre. Pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce que tu veux? Reste avec moi. Je veux pas te laisser toute seule avec ces salauds. Qu'est-ce que ça peut te faire? Non, t'as besoin qu'on te protège. Je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Mais laisse-moi au moins t'accompagner un bout de chemin. Non. Allez, salut. Juste un petit bout. Écoute, là où je vais, tu serais pas à ta place. Parce que t'es turc. J'aurais jamais cru ça de toi. Jamais. Mignonne ce soir, Danny. Dogan, à quoi tu penses? Va te coucher. Demain, tu pourras pas encore aller à l'école. Essaie de dormir. Bon. À demain. À demain. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je réfléchis. Tu réfléchis à quoi? Ouais, tout ce cirque. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Rien. Rien? Rien que la rue. Ouais, mais cette rue, elle est à nous. C'est notre territoire et on va aller se taper sur la gueule avec les Turcs. Maintenant. Est-ce que ça en vaut la peine? Vois-tu, je crois que la grande époque de la bande est révolue. Que jamais ça sera pareil. T'as sans doute raison. Ok, n'en parlons plus. Salut les mecs! Allez, venez les gars, allez, on rentre. Mélina, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi. Dis-moi ce qu'il y a. Pourquoi tout ça, Tamar? Pour rien, pourquoi ça t'inquiète? Tu dois me faire confiance. Je sais ce qui se passe avec les Turcs. Oh, écoute, Mélina, ne complique pas les choses. Imbécile, va! Mélina! Hé! Hey! Mélina, reviens!
tout ce que t'as trouvé, un jouet, on pourra jamais... Ferme, connard. Fais voir, là. Laissez voir. Extra, ce truc. Moi, écoute, on l'a idiot, il y a plus de... Hé, hey, Diego. Une bouteille de cognac, c'est pour moi. C'est vrai que j'ai pas le droit de venir. Si, d'accord, tu pourras surveiller du côté de la patinoire. Bien, si ta fiancée te laisse partir avec nous, on dirait qu'elle est pas d'accord, n'est-ce pas, Angie? Mais tu sais, si je vais avec eux, c'est pour essayer de les stopper. Leur faire comprendre que dans le fond, c'est inutile. Que ça sert à rien, que c'est... Hé, hey, Duke, amène-toi. T'es sûr qu'ils sont ok, ces mecs-là? Moi, ouais, sûr. T'en es sûr? Attends. Ce que mec ça dit tout à l'heure. Eh bien, il avait raison, tu sais. J'ai envie de sortir avec toi, tu sais. Oh, madre Dios. Au fait, quelle heure il est? On y va, les gars! On va leur coller le fond au cul! Combien ça fait, Diego? Ouais, reste tombé pour ce soir. Ok, on y va. Allez, les gars, on y va, on met les bouts. Il en sort de partout, dis-moi. Bon, alors les mecs, où il est, ce foutu blouson? Dans la bagnole de Bello, je crois. Bon, d'accord. Et Bello, où est-ce qu'il est? Hé, Bello! On dirait qu'il est pas là. Ouais, c'est malin, les mecs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'avance et le prochain mec qui vient de chier dans les bottes, t'auras qu'à lui faire ravaler sa merde à coup de pompe dans le cul. T'as compris? Ok. Voilà, allez, on y va.
Tu sais, Diego, moi, ce genre de truc, ça me débecte. Hey, qu'est-ce que tu fous? Tu te dégonfles? Ah. Eh, hey, Bello n'est pas là. Ça déjà, quand on n'est pas des masses, te défile pas, toi, non plus. Mais arrête. Bon, et les mecs, et si on joue au foot? Eh, hey, j'ai su le lié droit. Qui c'est qui goal? Eh, hey, moi. Arrête de déconner, oh. Ah, ça aurait pu être un super match, quoi. Diego. Faites voir le blouson. Et tu l'as dans le cul avec ton blouson, sale turc. Toi, ta gueule. Je t'ai rien demandé, espèce d'enfoiré. Eh, hey, je vous invite à déguster des glaces chez moi. Oh, ferme ta gueule, Diego, ça sert à rien. Et on se connaît tous les deux, hein. J'ai bien failli sauter sa frangine, mais ce con-là, il nous a empêchés d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous lui avez fait, salaud ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? Rentre de la maison ! Mais c'est le pirate de l'autre jour ! Eh, tiens, prends ça ! Oh, te mêle pas de ça! Danny, qu'est-ce qui te prend? Déconne pas! Reste en dehors de cette tuerie! Et qu'est-ce que tu veux faire avec ton couteau? C'est pas un outil pour les gonzesses! Qu'est-ce que tu fous là? Rentre chez tes parents, t'es folle ou quoi? Approche! T'as peur, connard? Alors, Duke, qu'est-ce que tu as? Tu te dégonfles? Approche, sale enculé! Espèce de connasse, tu vas regretter tes paroles. Enlève-toi, je t'en prie. Des fous, voilà.